Livre des Proverbes, chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, « Que celui qui est stupide entre ici !» Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité, vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie s'augmenteront. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, « Que celui qui est stupide entre ici !» Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, « Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. » Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts.